Je pensais qu'un mouton c'est gentil avec plein de du pelage et tout, mais en fait non, pas trop. C'est un peu dangereux quand même. D'abord travailler sur les chevaux. On a 3 chevaux qui doivent arriver à rassembler, à parquer et même à attraper avec un bicoque. Donc on leur apprend à faire tout ça. On a après toute une partie au stockyard où ils vont apprendre à manipuler du bétail, des vaches ou des taureaux selon ce que nous on est en train de faire. On leur apprend en fait à orienter les animaux vers une porte, à les fermer dans un carré. Ils finissent la formation avec une partie mouton, où ils vont apprendre en fait à pareil rassembler des moutons, à les parquer, à monter en fait un carré et à rentrer les animaux dans le carré pour les parquer. C'est bien d'être ici en formation là, surtout que du coup dans le cadre des interventions, c'est secours aux personnes, secours aux biens et secours à l'environnement. Et du coup, on nous a fait comprendre que les animaux de compagnie faisaient partie des biens. Il fallait en prendre soin aussi lors des interventions. C'est une formation qui reste très enrichissante, oui. Pour connaître le comportement des animaux, c'est important. C'était rigolo avec les moutons, ils sont dangereux, je ne savais pas qu'ils sautaient haut. Il faut être sûr de soi. Ils ont dit que c'est nous les prédateurs et c'est eux les proies, mais bon, on va pas se mentir. On va faire une première fois avec ce que vous avez autour de vous. Et maintenant, on va faire un autre, on va faire au milieu.